Bonjour soldats, bienvenue aujourd'hui pour la suite de la campagne sur Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. J'espère que vous allez bien. On devrait terminer l'histoire aujourd'hui, mais il y aura encore une vidéo sur la fameuse mission du musée. On la fera ensemble, hein, comptez sur moi. Comme au bon vieux temps, Makarov nous a révélé que le QG des forces spéciales du général Shepard se trouvait sur le site Hôtel Bravo. Retrouvez-le et tuez-le. J'aime cet objectif. On n'a plus qu'un pistolet mitrailleur. Ils en ont des centaines. On ne sait même pas ce que valent les infos de Makarov. Price ? L'être humain ordinaire ne se réveille pas le matin en pensant que c'est son dernier jour sur Terre. Mais je crois que c'est un luxe, pas une malédiction. Savoir qu'on est proche de la fin, c'est une forme de liberté. C'est le moment de faire l'inventaire. Moins d'armes, moins d'hommes. Une vraie folie, une suicide. Mais ce sable et ces rochers souillés par mille années de guerre, ils se souviendront de nous pour ça. Parce que de tous les cauchemars que nous connaissons, c'est celui que nous avons choisi. Nous avançons tel un souffle exhalé de la terre, la rage au cœur et dans un but unique. Nous allons le tuer. Je vous attendrai au point d'extraction. Dans 3 heures. Pas la peine, c'était un aller simple. Alors, bonne chance, mon ami. Slava Roga. Objectif clair, net et précis. L'intervention. Je sens qu'on va se régaler. Saup, je détecte un signal thermique droit devant. La grotte doit être quelque part sur la paroi. Ok, John. Je te suis. Alors, on a une Vector. À coque silencieux. Et intervention silencieuse. Attends. Patrouille ennemie. Ne tire pas. Les infos de Makarov étaient bonnes. On y est. Restons prudents pour l'instant, hein. Ok, on a le temps. On se sépare. On attend. J'espère que ce code de décryptage vaut bien le prix qu'on l'a payé. Répondez, Alpha. Tout va bien à la rivière. À vous. Bravo. Tempête de sable. Pas grand-chose à voir pour l'instant. À vous. Zulu. Et on commence notre patrouille à l'est, le long du canyon, sur la route d'Axelor. À vous. Concentre-toi sur le groupe de droite, juste en dessous de nous. On va les abattre d'abord. D'accord. Je prends les deux sur la gauche. À mon signal. Je prends les deux à droite. 3, 2, 1. C'est parti. Klebs, le pauvre. Comme au bon vieux temps. Bon, ah, ça me fait toujours quelque chose quand même, hein, de tuer un animal, mais enfin bon. Après, il te bouffe, sinon. T'as pas trop de choix. Continue et on se fait les autres. Ok, les autres. En douceur. Bon, ils sont plus que 3, hein, il me semble. Je suis en position, vas-y, tire. C'est droite ? Allez. Ils vont ça, pas c'est faux. À tomber sur les cadavres. On continue. On y va, accroche-toi ici. Disciple 4, ici Oxide. Quelle est votre situation ? À vous. Allez, je m'accroche par ici. Disciple 4, ici Oxide. Petite descente en rappel. Je rappelle que j'ai le vertige. Go. Et vu que c'est un jeu vidéo, ça passe. Alors, maintenir R2 pour freiner. Eh mais moi, j'ai tout le temps freiné, frère. D'accord. En douceur. Salut. Comment ça va ? Et... maintenant. Ah, il nous regarde et tout. Terrible image. En route. Écoutez, on est bien équipé, je pense. Une bonne Vector. Ennemi droit devant. Et l'intervention, ça fait quand même le job, hein. Attention, droit devant. Il me semble qu'il a jeté un œil ici en plus, non ? Une patrouille vient par ici. Il a rien vu. On se dépêche. Ok. Laisse-les passer. Vulture 7, ici Oxide. Effectivement, on aucun risque. Ils sont trop nombreux. C'est pas la peine de partir en bruinage. Voir si ça se trouve, la mission peut te faire redémarrer, peut te faire recommencer, parce qu'effectivement, si ça fait partie du script, tu dois être prudent, tu dois être silencieux. Ah, attends, je prends le snipe. Bonne nuit. En route.
C'est exactement ce que j'aurais dit. Moi je prends le snipe parce que voilà, en une balle, on est sûr et certain que c'est fini quoi. Doucement. Ah oui, effectivement, il vaut mieux y aller en douceur. Il y en a deux dans ce couloir. Ne tire pas et reste sur la gauche. Disciple 5, ici Oxide. Quelle est la situation? À vous. Heureusement qu'il y a John. John Price pour nous guider. Soap, on a deux ennemis avec des torches qui descendent les marches sous cette lumière rouge droit devant. Je prends celui de droite. Ah d'accord. Signal. 3, 2, 1, maintenant. C'est propre. Bon, allez. C'est très propre. Jusqu'à présent. Disciple 6, tout roule. On a perdu le contact avec Disciple 5. Allez voir ça. Bon, on sait tous que ça ne va pas durer. Il est à moi. Bien reçu, Oxide. Un petit espace 12. Ah, j'aurais bien aimé, mais c'est vrai que je pense que les deux armes qu'on a sont importantes là. Je te le laisse. Toujours du beau travail en finesse, mon cher Price. Disciple 6, planquez-vous, entrez et nettoyez. C'est parti, tiens-toi prêt. Ah, j'aime pas quand il me dit ça. J'aime pas du tout. Capteur cardiaque. Ouais, tu sais quoi, on va changer un peu, non? Ok, donc j'ai du capteur par là. Juste devant les gars, juste devant. Ouatata. Merci le capteur. Même si, bon, je t'avoue, t'as pas toujours le temps de le regarder. Et là, niveau visibilité, c'est pas terrible. Ils sont tous là-bas au fond. On voit la grue, là, ça débarque ici. Oh lolo, lolo, lolo. Cette arme est énorme quand même. Envoie vite. Envoie sur eux. Bien joué. Oh. Attends, je l'ai. Ils me l'ont re-renvoyé ou comment ça se passe? Je vais les contourner, les gars. Et je les contourne. Ils sont plus là? Ah, si, ils sont juste plus proches en fait. D'accord. Quelle connerie. Ah. Bon, ça m'a l'air bon. Je vais garder celle-là, je pense. Ouais, il y a suffisamment de munitions en plus. Ça va. J'arrive, Captain. Ça peut le faire. J'aime bien avoir un capteur. Là, on a ACOG. C'était ce que j'avais avant. Je vais garder avec le capteur, c'est mieux. Après, chacun ses goûts, évidemment. D'accord, tu me dis que je vais lâcher le snipe, là. Ouh. Non, je pense que je vais garder le sniper, vraiment. Ok, je prends le bouclier, parce qu'effectivement, là, on ne pourrait pas résister, sinon. Je suis Captain America. Ça serait bien qu'on puisse le balancer, d'ailleurs. Dégage. C'est bon, lui il l'a tué, bon, parfait. Ah, au pire, ouais, il y a une ACR ou une MG. On prend la MG. On va prendre la MG. Pourquoi pas. Oh, des bidons. Explosif. Là-bas aussi. Ouais, forcément ça arrive. C'était sûr. Attention. Je l'ai vu au fond. T'es mort, gros. Ah ouais, mais les boucliers, ça fait chier. Ok. Attends qu'ils s'approchent un peu. Faut les prendre de côté. Ah non, attends qu'ils s'approchent. Maintenant. Je sais pas si j'en ai fait exploser. J'espère. J'espère bien, faut les prendre de côté, ça j'ai compris aussi, gros. Le problème, c'est est-ce qu'il y a pas du monde? Plus dur sur la chute. Nouveau trophée. Là, je pense que j'ai touché, là. Oh, attention. What? Je me suis fait exploser. C'est la grenade? Ah non, le baril! Mais le baril qui était juste devant, mais oui, bien sûr! Quel loser! Le baril, justement, en plus, on l'a vu, hein! Terrible! Terrible image! Vas-y, envoie, gros! Envoie! Faire attention de ne pas rester proche des. Ouais, des trucs explosifs, quoi! C'est bon, il y est! Bon, on va contourner là, on n'a pas le choix! Il y en a un qui était proche ou je rêve? Attends. Cadeau. Effectivement, il y en a sur le côté aussi. La vache. Attention, le baril. Je m'écarte. On n'a pas de choix, hein. Faut qu'on bouge. Ici. En face. Une petite P90 qu'on pourrait prendre éventuellement. Je te termine. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça dépasse un petit peu de leur bouclier quand même. Et puis là, par contre, le temps de recharger. Oh, attends, qu'est-ce que c'est? Oh oui, Scarache, je me suis fusil à pompe, attends j'arrive. Fusil à pompe, s'il te plaît. Et ouais mon pote. Descendez
J'ai récupéré une arme d'enfoiré. Yo! J'essayais. Ça c'est fait. J'adore cette arme. Une petite Oscar. Ah par contre y'a que 3 munitions? Bah attends, je prends la MP5 alors. S'il y a que 3 munitions, c'est trop limité. Je pense qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres armes sur la route. Hein. Bah tiens. Ouais, Scarage, fusil à pompe 89. Bah tiens, j'ai récupéré des mules. Super. Attention la greu, les gars. Attention la greu. Je dis les gars, on est que deux. Hein. Ok, ils sont plutôt par là alors. En secondaire, j'ai quoi? What? Mais même le lampadaire, ok. Dodo, merci, au revoir. Toucher, ce qui est bien, c'est qu'on peut être précis avec le sniper, du coup, easy quoi. Ok. Ah, moi je vois rien. Thermique. Attends. Moi aussi j'ai un thermique, les gars, si vous croyez. On sait que vous pouvez m'avoir, hein. Moi aussi j'ai un thermique, Coco. Non mais oh. Si vous croyez, je suis pas débile. Hey, Dodo. Par contre ils sont combien? Est-ce que c'est infini? Non, je pense sincèrement que c'est infini. Donc tu sais quoi? On va repartir sur une Scarache, des familles. Et on se tire. Ouais, parce que j'ai l'impression que là c'est un peu infini le bordel. Les gars, je vous aime bien, mais petite greu. Pour moi c'est cadeau. Ok. Quel enfoiré. Bien joué. On t'a vu, fais péter là-bas, je sais pas s'il y a quelqu'un, mais dans le doute. Il est pas mort, lui. Trop mal. Ok, on a fait le ménage. Voilà, par contre, on va servir en arme, hein, je vous le dis. Remarque, tu me diras, bah, j'ai toujours celui-là, ça me va. MP5, non, c'est moins bon. Bon, on va rester comme ça, ouais. On va rester comme ça, elle est pas mal. Allons-y. John. Comment ça? Comment ça tu me fermes la porte au nez? Quel manque de respect. Attention, les explosifs, attention. C'est géré. C'était tendu parce qu'il y avait du C4 partout. Oh la vache. Attends, le désert. Ouais, le désert, mais non, je vais garder mon sniper quand même. Ok. Allez, pirate-moi ça. Ok. On se grouille. Tous ces boules. De quoi? C'est scripté. Mission de tir. Colis stratégique pour cible Roméo. Danger rapproché. C'est à moins de 100 mètres de votre position, monsieur. C'est un ordre, pas une suggestion. Envoyez. Bien reçu, mission de tir, danger rapproché. Depuis quand Shepard se préoccupe de ça? En route, arrête-moi et suis-moi. Vers l'ouest, Soap, allez. Monsieur, une tempête de sable est en train de se lever. C'est trop risqué pour l'aviation. Compris. Allez vers le tunnel. On prendra les Zodiacs. Bien, monsieur. Ouvrez l'œil, restez pro. On ne vise que la tête. Il y avait un par là, je le vois plus. Ok. Je l'ai eu, je crois, je suis même pas sûr. Oula, c'est compliqué là quand même. C'est assez compliqué. Envoyez quelques greux. Ok. Il se place bien, c'est con. Il se place plutôt bien. Il y en a un qui se rapproche. Ok. Pas mal. Ici. Derrière nous? Ah bon? Attends, d'où il tirait lui?
c'est pas utile. Il y en a par là. Bien. C'est chaud, hein. La vache. Par contre, j'avance pas assez vite, hein, je pense. Shepherd a parlé de Zodiac. Il doit y avoir une rivière dans le coin. On y va. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Fin de la mission. Yes. Et là, on passe à la dernière. Avant le musée, bien sûr. Notez bien ce que j'ai dit. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. L'histoire est pleine de menteurs. S'il survit et que nous mourons, sa vérité sera écrite et la nôtre perdue. Shepherd sera un héros parce qu'il suffit d'un bon mensonge et d'un bain de sang pour changer le monde. Il est sur le point de réussir le plus grand mensonge jamais imaginé. Sa vérité prévaudra, mais seulement s'il survit et si nous mourons. Ils sont juste au coin, maille-toi ! Eh, ça s'enchaîne ! Échec et mat. Ah, le nom de mission qui veut dire quelque chose, hein, quand même. Hein. Oh, le bateau. C'est parti ! Maintenez R2 pour démarrer. Ah, c'est moi qui dirige ! Excellent ! C'est hyper fluide en plus, quel plaisir. J'ai confiance en mon capitaine. Ah, je me demande si on n'aura pas aussi un passage quand même dans cette mission où on peut tirer quoi. Ah bah tiens, L2 pour tirer. D'accord, on peut quand même. Oh là là. Incroyable. Bon, faut tirer mais que quand il y a des barines hein, je pense hein. J'ai pas le temps de bien viser les ennemis. Quoique. Ah si. Un petit peu quand même. Là par exemple, tirer sur les barils. Une bonne idée. Est-ce que ça ne tire pas automatiquement sur les cibles? Peut-être que quand... Oh, c'est fin là-haut. Ouais, est-ce que ça vise pas automatiquement quand même? Est-ce qu'il y a pas un lock? Ouais, je sais, j'ai compris. C'est ce que je peux, quoi. Ouais, je sais. J'étais bien gentil. Il était juste devant moi. Ok, on va essayer de passer sous le pont. Oula, on est mal. Oula, je pense que c'est mort. Ah oui, je suis mort, effectivement. C'est dur. Eh ouais, mais c'est tendu. Allez, on recommence. Ouais, vous voulez vraiment prendre sur le côté. Le problème, c'est qu'après, faut que ce soit de l'eau, quoi. Ok, bon, en tout cas, on me suit. On évite l'hélicoptère. On va plutôt passer à droite, hein. Shoot, 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 shoot. Ça dégage. Wow, 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 wow. Je suis planté. Je me suis planté. Bravo le veau. Je me suis planté. Je suis pas encore mort, d'accord, ça c'est impressionnant. Je me plante de partout. Ah, c'est super chaud. Nom de Dieu. Hélicoptère qu'on esquive, bien sûr. Mais non, c'est un hélico à droite, qu'est-ce que tu racontes? C'est ce que je fais. Ça va trop vite. Hélico. Heureusement qu'il y a le pont. Ouah, des rapides. Incroyable. Regardez le bateau juste devant. C'est carrément retourné. Ouh. Ah, quel pied. C'est vrai que très peu dans ma vie en plus j'ai fait du canoë-kayak, hein, ça me fait... J'en ai fait une fois, c'était vachement cool. Mais pas dans des rapides extrêmement dangereux. On est sur un autre niveau. Eh oh. Eh oh. Voilà, je pourrais rien faire, l'hélicoptère il était juste derrière moi. Vas-y!
explorer le lieu du crash. C'était pas évident en tout cas cette phase en bateau là. Oui. On explore. Je n'ai que mon couteau avec moi. Tu es Shepherd. Pas ici, toi. C'est toi que je veux, pas les autres. Saloperie. Traître. Il est où ? Tu es à moi. Oh merde. Évidemment, ça aurait été trop simple. Oh. Il y a 5 ans, j'ai perdu 30 000 hommes d'un coup, comme ça. Et qu'a fait le monde ? Rien. Demain, il y aura toujours des volontaires. Il y aura toujours des patriotes. Je sais que vous comprenez. Le flingue, le flingue, le flingue. Allez, soap. Allez. Allez, change de touche. R2, L2. D'accord, je vois, j'ai compris. Dépêche-toi. Merde. Quel enfoiré. Son couteau. Aïe aïe aïe. Allez. Oh, on ressent bien la douleur. Hein. Shepherd, j'ai un petit cadeau pour toi. Cette campagne était juste incroyable. L'action ne s'arrête jamais. Par contre, j'ai rarement vu une fondue aussi longue. Ah d'accord, ça revient. Il n'y aurait pas un début de calvitie ? Oh, c'est même plus un début, là, c'est un milieu. Voire un 3/4. Un capitaine. Soap! Soap! Ça ira bien pour l'instant. Allez, lève-toi. Je t'avais dit que c'était un aller simple, non? On dirait que ça l'est, en effet. Ça va être dur de leur échapper. Nikolai, il faut qu'on sorte saut d'ici. Je connais un endroit. Et voilà,
développé par Infinity Ward, bravo. Franchement, remasterisé par Binox. Binox, une équipe que j'aime bien, en règle générale, qui a bossé sur d'autres jeux qu'on a pu faire sur la chaîne. Comme par exemple, il me semble, The Amazing Spider-Man, qui était vraiment un très bon jeu. En tout cas, le premier, le 2 était moins bon, mais le premier était vraiment bien. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette série sur NW2 Remastered. Moi, j'ai adoré. Il nous reste, attention, encore une vidéo, ce sera sur la mission dans le musée qu'on fera ensemble. Mais la campagne, l'histoire du jeu est bouclée et on a réussi pour la postérité. Et on a réussi à battre Shepard. Mais quel enfoiré celui-là! Mais vraiment jusqu'au bout, hein, c'est monstrueux. Bref, moi j'ai adoré, c'est un grand Call of Duty, une grande campagne. Pour vous d'ailleurs, tiens, dites-moi dans l'espace commentaire, quelle est la meilleure campagne à laquelle vous avez joué? Moi c'est vrai que, de toute façon, on refera après le premier MW, on refera les Black Ops, on refera tout ça les amis. Comptez sur moi. Mais pour NW3, je pense qu'on va attendre le remaster, parce qu'à mon avis, ils vont faire une version remasterisée bientôt. Donc, soyons patients, hein. On va pas se lancer dans une vieille version, alors que, voilà, il y a une nouvelle qui va sortir peut-être bientôt. Donc, patience. Ouais, on peut retourner au menu. Le musée et les modificateurs de jeu sont maintenant débloqués. Visitez la galerie pour voir de plus près les objets souvenirs du jeu et ajouter un peu de piment à vos missions avec des effets géniaux. Le musée est accessible depuis le menu principal. Les modificateurs de jeu peuvent être activés depuis le menu principal ou le menu pause en jeu. Et c'est vachement bien, vraiment. Donc on visitera le musée, les amis, la prochaine fois, demain, je pense. Voilà. Il y en a certains qui me l'ont demandé, donc évidemment, de toute façon, je comptais le faire. Hein. J'espère que ça vous fera plaisir. Eh bien, écoutez, moi, j'ai adoré, je me répète, mais j'ai adoré cette campagne. Je l'ai trouvée rythmée, je l'ai trouvée d'une qualité vraiment incroyable. C'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure campagne des Call of Duty. Alors, j'ai du mal à dire que c'est la meilleure campagne, parce qu'il y en a beaucoup que j'aime bien, que je trouve exceptionnelle, que je trouve superbe. Donc j'ai un peu de mal à dire que c'est ma préférée, mais en tout cas c'est l'une des meilleures sans aucun conteste. Vraiment. Merci à tous, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines séries découvertes sur la chaîne. Il y aura plein de choses en cette période, et même en toute période, hein, tu me diras, je suis toujours présent sur YouTube. Merci à tous, portez-vous bien, et à très bientôt. Ciao, ciao.